Situé dans le massif de l'Atlas, le Toukal culmine à 4167 mètres et le plus haut sommet du Maroc et de toute l'Afrique du Nord. Mountains high and sky so blue. Footsteps wander paths anew. Tôt le matin, nous partons pour rejoindre nos multis. In the Atlas, we belong. Rocks and rivers whisper slow. Desert winds begin to blow. Suns that rise and moons that fall. Stories written on the walls. Endless pathways call our name. Every step a wild flame. Hearts will journey far and wide. In the Atlas, we can fly. Drums that beat as hearts unite. Strings that tell of day and night. Every note a memory made in the Atlas. C'est la vallée de Agersiwa. On va monter jusqu'à le déjeuner prévu, c'est au col, à 1220. Après le déjeuner, on descend. C'est mieux comme ça. Ok, allez. La vallée d'Agersiwal, en plus de sa beauté naturelle, repose sur une économie essentiellement agricole, avec des cultures en terrasse irriguées par des canaux traditionnels, où sont cultivés principalement l'orge, le blé et les noyers, tandis que l'élevage de chèvres et de moutons joue un rôle clé dans le soutien des familles berbères locales. C'est la vallée de Agersiwal. C'est là. Et là, c'est l'école primaire. Ouais, l'école primaire, c'est celui-là. C'est là-haut. Là-haut. Oui. La rouge. Hein? La maison du maire, c'est là-haut. C'est en rouge. Ouais, la rouge, c'est là-haut. La cloche rose, c'est celle du curé. C'est le danger. Attention. Après, c'est la mosquée. Le mirage. On peut aller voir? Ben, c'est la question. Viens, Akash et Rivia. Mais sont en chien. Akash, t'en veux pas? Non. Ah, c'est pour qu'un jeu. Vous voulez s'il vous plaît voir le même. Ah, ouais, si. Ah. Ah, ok. Thank you. C'est quoi, c'est une mouette? C'est une mouette en béton? C'est le soir. C'est le soir. Ou bien le matin. Colors dancing desert glow. Through the Atlas we will go. Atlas pathways call our name. Every step a wild flame. Hearts will journey far and wide. In the Atlas. Drums that beat as hearts unite. Strings that tell of day and night. Every note a memory made. In the Atlas we can find. C'est pour mettre le sel pour les chèvres et les chèvres parce qu'il aime beaucoup le sel. Et c'est tout le matin. Tu dis,
super place. Aït Aïssa est un petit village berbère niché dans les montagnes du Haut-Atlas. Sa population vit principalement de l'agriculture, avec des cultures en terrasse et l'élevage. Ah, la boutique, c'est ça. Elle est fermée, ça. Mais pour les deux, c'est après le terme. Bon appétit, hein. Merci. Merci. Thank you.
Par le cascade qu'on va faire ce soir, Inch'Allah, avec une autre rivière aussi. L'autre rivière, elle est sec, mais l'eau, elle coule sous. Ah, dessous. Et après, elle sort ici. Alors, comment on fait pour se couper de noix dans la région? Alors, pour ne pas mélanger les noix vivantes, alors on fait chacun à son tour. Par exemple, celui qui va récolter ses noix ici, l'autre, il va récolter loin de lui. C'est pas celui qui est à côté de lui. Hein. Pour ne pas que les noix mélangées et après ça crée des problèmes. Pour éviter ces problèmes, alors celui qui fait ça, lorsqu'il termine, alors juste à côté de lui, il y a l'autre qui va récolter. Et lorsqu'il va récolter, il va être loin de lui. Voilà, pour savoir comment ça marche ici. Et les noix, c'est interdit ici de couper les noix, les noyers. C'est interdit de couper les noyers. C'est une source de vie pour la famille. Si par, il est arrivé, si par hasard quelqu'un coupe un noyer, alors il va. Il va payer une grosse amende au village, une vie de la famille. Source de vie. Le village de Tizi Oussem a été gravement touché par le tremblement de terre de 2023 qui a frappé le Haut-Atlas. De nombreuses maisons en pisé ont été endommagées, laissant les habitants dans une situation précaire. Des efforts de reconstruction sont en cours, mais le village reste confronté à des défis importants pour retrouver une vie normale.
Ça indique le parc, l'endroit qu'on est là. Il est marqué là, le parc national de Toufal. Ils sont juste arrivés. Ah ouais, on les voit, ouais. On va remonter. Les cascades, c'est entre les deux montagnes là. Les deux là. D'accord. On va remonter pour faire la visite et on retourne au refuge. Ok, voilà pour savoir. Ils ont sexe là. Et demain, le trajet. Demain, on va faire. Refuge est rustique mais accueillant, proposant des repas simples et un hébergement en dortoir, permettant aux visiteurs de découvrir la vie traditionnelle berbère en pleine montagne. Le dernier village qu'on a passé, il y a le problème de carré là, qu'on a évité un petit peu. Le terrain il appartient à ce village là, et qui ramasse les. Il y a qui fait irriguer les champs, hein, là, les arbres. Pour les animaux qui restent à la maison, comme par exemple le data, les vaches, et aussi. Alors, s'il vous plaît, ça, hein, on avait une forme, et ça, il s'appelle le coussinet de l'Atlas. Il appartient à la famille du coussinet de l'Atlas. Celui-là, il s'appelle Alesson épineuse. Ça s'appelle Alesson aussi épineuse. Le coussin de belle-mère. Hein. Voilà, mais ça pique. Hein. Les cascades d'Iguliden sont parmi les plus belles cascades de la région. Connues pour leur hauteur impressionnante et leurs eaux cristallines, elles sont un lieu de prédilection pour les randonneurs cherchant à se rafraîchir après de longues heures de marche. Thank you.
nationale de Turcal. Là-bas, on sort. Et après, il y a un autre parc qui s'appelle le parc de Vergane. Il y a le parc de Vergane, il y a le parc de Turcal. Et c'est ça, l'arabe. L'arabe, berbère, français et anglais. L'arabe, c'est de droite à gauche. Berbère, c'est de gauche à droite. De gauche à droite. On va parler de ça ce soir. Ah. Et le français, c'est... J'avais oublié une première blague. Les chants qui appartient au dernier village qu'on a passé. C'est une scène. Ça va. Il y a les bergeries. Il y a les bergeries, il y a les pièces où les bergers passent. Ou bien les gens qui viennent leur chercher. Pour nous, ça ressemble. On tease. On t'écoute. C'est mieux. Va chercher Compostelle. Alors ça c'est les enfants, ça c'est les mamans et ça c'est le père. Ah, le plateau c'est le père. Ça c'est les enfants, ça c'est les mamans. Les mamans qui nous donnent à manger tout ça. Et le père c'est le père qui est responsable du tout. Ça c'est le thé vert du Chine qui vient du Chine. Le Maroc c'est le premier importe le thé vert du Chine. C'est pas le thé noir. D'accord. Nous utilisons thé vert de Chine. Il y a presque 400 variétés de thé vert de Chine que nous utilisons au Maroc. 400 variétés. Parmi les variétés, il y a celui-là. Parce que, comme vous voyez, il y a le nord, il y a le milieu, il y a les montagnes, il y a le sud aussi. Et chaque eau, il faut qu'il ressemble à le thé qu'on le prépare. Parce que le thé du désert, qu'on le prépare dans le désert, c'est pas comme le thé qu'on le prépare au milieu du Maroc, c'est toujours l'eau. L'eau, c'est pas la même chose. Le désert, c'est les puits. Les puits, c'est pas comme la source. Hein. Oui. C'est pas la même, le goût, c'est pas la même chose. Il faut avoir un thé qui ressemble à... Hein? Ça va? Oui. Ça va. On t'écoute, parce que sinon on va pas s'en sortir. J'essaie de trouver des images pour des équivalences. Pour voir une idée. Et le thé à la menthe, il s'est toujours fait avec du thé. Au thé vert du Chine. C'est pas du nord, thé vert du Chine. Hein? Et même il y a un siècle ou autre. Oui, oui, ça fait des années. Hein. Ça fait. Ça commence en 1900. Moi. Qu'on fait du thé à la menthe. Thé là. Avant, ils en faisaient pas. Dans le désert, on fait pas la menthe, c'est collecté. Okay. Pas la montre parce qu'il n'y a pas de montre là-bas. Oui. Ah, oui. C'est dans les montagnes. Ce sont les Européens qui sont les fait venir au Maroc. D'accord. Et après, et avant que les Européens viennent, bien sûr, il était à. Ça veut dire vers 16e siècle. Que, à l'époque, il y a une dynastie qui s'appelle la dynastie. On lave avec l'eau chaude. Hein. On lave avec l'eau chaude. L'eau chaude, ça tue les microbes et tout ça. Oui. Ça se trouve à l'intérieur. Et comme ça, on fait comme ça. N'utilise pas la cuillère, c'est avec la main. Okay. Avec la main, on sent combien il faut faire. Même avec les épices, c'est avec la main. 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 Et aussi, parce qu'avec la main, c'est pas comme avec la cuillère. Si vous, c'est avec la cuillère. Votre cuillère, combien de grammes, combien de ça. Les grammes et tout ça, c'est dans la tête nous. Et parfois, ça marche et parfois, ça marche pas. Je rigole, ça marche. On met pas la menthe avant. Alors, chaque chose en son temps. Ouais. Après, on met un petit chouïa. Hein? Voilà, et un petit chouïa encore. Voilà. Et après, vous allez voir pourquoi. Fondre le sucre. Le sucre. Attends. On laisse. Ça, on va laisser. Hein? Ça, on va laisser.
c'est le meilleur. Bah, on va les mettre en sel. Un coup de bouquin. Ah, il a pas la même couleur. Ah, c'est pas la même couleur. Ouais. What the fuck? Bien sûr, on les jette. Parce qu'il y a le goût du thé. D'accord. Il y a le goût du thé. Et après, s'il vous plaît. On remet. On va remplir maintenant. La beauté, c'est avec la braise. Mais pourquoi tu remets le premier On l'appelle l'âme du thé. Ah ouais. L'âme du thé, celui-là. C'est là qu'il y a le goût du thé. D'accord. Ben, on l'a pas lavé. Hein. Mm. On l'a laissé à côté là. Celui-là, le jus, parce qu'il y a le goût du thé qui va rester. Encore. Et ça donne le goût. Hein. D'accord. Excusez-moi. Pour que tout le monde soit content. Même si c'est difficile d'être content. C'est pas facile de faire satisfaire tout le monde. Ah bah oui, surtout les Français. Et on ne voit pas la menthe. Hein? On ne voit pas la menthe. Si, il est déjà. Ah, il est déjà nettoyé. Okay. On fait la menthe et juste après, on fait le sucre. Pour que la menthe ne se brûle pas. Avec le sucre, ça l'aide pour qu'elle puisse résister un peu. Ouais. Voilà, je fais comme ça. Je sais pas ce que c'est, ça suffit. Pour nous, on fait ça avec ça aussi. Il y a un petit chouïa, ça peut servir. Là, c'est bon. Moi, j'en mange jamais en fait. Non, mais on peut, mais bon. Lorsqu'on fait le sucre, s'il vous plaît, on les mélange. Mmh. Ah, tu sers. Il en a un truc de 2 kilos. Toujours les jaunes Wayne et tout ça, c'était des noirs. Ah ouais. Plus de français en blanc, ça envoie des mots. Parfois, mais c'est un peu des celles. Et celles qui ont nous ont romancé la conquête de l'Ouest. Ouais, non, c'est clair. Et la vérité historique, ça n'a rien à voir. Il y a même des gazous aussi, hein. C'est pas que des gazés là. Des gazos? Oui, hein? Il y a des gazous. Gazo, ok. Et si toi c'est un gazou. Moi je suis un gazou. À côté de toi. Le col situé au pied de la Gelsine Sud est appelé le Tizina Gelsine. Il se trouve à environ 3560 mètres d'altitude et offre une vue impressionnante sur les sommets environnants, notamment sur le massif du Toulkal. Ce col est un passage clé pour les randonneurs qui se dirigent vers le sommet du Toulkal depuis le refuge.
ça va. S'il vous plaît, pour le dernier jour, il y a un pendu là-bas. Ouais, il y aura beaucoup de profiter, hein. Oui, la montagne. On va le prendre, le dernier jour, hein. On prend. Et après, on va aller jusqu'à la. C'est là le refuge de Mouflon, le premier, hein, qui est derrière les tentes. Le coffre, c'est celui qui est derrière. Parce qu'il y a deux refuges. Hein. Hein, c'est lequel? Le premier. Le premier refuge là. Le premier là. Qui est un peu plus grand. Hein. Sauf que comme c'est un objectif fréquent, ça te fait des meilleures images. Ouais, et puis ça fait des films. Alors, c'est pas ça. Non, regardez la lumière. Ici, il est un peu sombre. T'as une frontale avec ça. Ça marche. Ça lui voit bien quand même. Tu veux que je tienne la frontale? Oui, merci beaucoup. Voilà, on est dans le refuge. Hein, tu t'approches. Merci. On est dans le refuge de Mouflon. Hein. Comme je veux dire, le refuge de Mouflon et le refuge de Kaf. Et après, on va suivre. Hein, on va remonter, on tourne derrière entre les deux. Il y a un sentier là. Tu passes, hein, tu passes, et après, il traverse la rivière là-bas. Et après, on remonte. On remonte, on monte, on monte. C'est là qu'il y a les blocs de roches. Hein. D'accord. Hein. Et attention, les sur ici. Et après, on remonte toujours. Hein. Ça monte ici. Il y a aussi les escaliers de pierre. Hein. Les escaliers de pierre. Et après, ça monte jusqu'à ce qu'il y ait un col. Qu'on appelle le col de Toukal. Et après, on tourne comme ça pour rejoindre. Hein, pour rejoindre une crête. Là où c'est vertigineux ? Le sentier. À côté ? Je te cherche. Hein, pour que tu expliques. Le sentier, il est à côté. Hein. Il n'est pas le sentier sur la crête. Hein. Le sentier, c'est en général. Voilà, en général. Et après, on fait un tour pour rejoindre. C'est là qu'on voit le sommet du Toukal. D'ici, on ne le voit pas. D'accord. Mais lorsqu'on arrive à la crête là, au début de la crête là, on peut voir le sommet du Toukal. Hein. Le sommet du Toukal, et après on ne le voit pas. Et après, on va le voir lorsqu'on retourne comme ça pour le rejoindre. Le sommet du Toukal. Voilà. Et après, on va faire le même chemin. Mais il y a ouais. un autre chemin, mais c'est dangereux. Après le tremblement de terre, la terre, il a bougé. Alors, il y a des pierres qui sont bougées. Et il y a une demi-heure de pente comme ça. Ah non. Et s'il a le vide? Ah non. Et ah s'il a le vide? Non, je vais t'expliquer après, vous déplorez. Hein. Voilà, il y a aussi, il y a comme ça, il y a des pierres que parfois on fait. Oui. Je bois pas de café, donc c'est la seule caféine que je bois. C'est ça. Ouais, et... Tu veux quoi? Tu veux... J'ai pas à être cadré dans... Thank you.
Arrive à te mettre les mains à plat devant, ça prend une jambe. Les mains à plat sans plier les jambes. Il va jouer au docteur. Prise du taux d'oxygène dans le sang qui s'appelle la saturation en oxygène ou oxymétrie. Elle est généralement mesurée à l'aide d'un appareil appelé oxymètre de peau. Saïd enregistre aussi la fréquence cardiaque. Oui, bien sûr. On en a pour la nuit, tout en même pas. Ça va. Alors ? Tu l'as vu ? Oui. Il a le chiffre qu'il veut après. C'est combien ? 88-85. Situé dans le massif de l'Atlas, le Toucal culmine à 4167 mètres, et le plus haut sommet du Maroc et de toute l'Afrique du Nord. On avait bien compté. Ça va ? Ouais. Hein ? Plus en forme que ce qu'on avait l'air d'être. On peut s'y mettre aussi, on peut s'y faire aussi un peu. Je pense honnêtement, hier, là. La situation est vraiment grande. Aïe ! Ah, il est déterminé. Oh putain, il a chopé oh, la carotte. Oh. Attends, il est là. Thank you.
carotte. Ah, je l'ai vu, c'est un autre problème aussi. Et franchement, c'est bon, j'y ai passé, c'est très succession de sketch. Et franchement, je trouve ça super bon. Ouais, non, c'est excellent. Ah ben, je prends parce que j'ai pas rien. Toute la nuit, j'ai eu la même chanson. Mountains are high and skies are blue. Footsteps wander paths anew. Echoes of the ancient song in the atlas we belong. Rocks and rivers whisper slow. Desert winds begin to blow. Suns that rise and moons that fall. Stories written on the wall. Atlas pathways call our name. Every step a wild flame. Hearts will journey far and wide. In the atlas we confide. Drums that beat as hearts unite. Strings that tell of day and night. Every note and every mate. In the atlas shadows fade. Sand and snow in harmony. Valleys deep and wild and free. Colors dance in desert glow. Through the atlas we will go. Atlas pathways call our name. Every step a wild flame. Hearts will journey far and wide. In the atlas we confide. That beat as hearts unite. Strings that tell of day and night. Every note and every made in the atlas we can find. Drums that beat as hearts unite. Strings that tell of day and night. Every note and every made in the atlas we can find. Bonjour. J'ai trouvé que derrière il avait le pied qui n'était pas normal. J'ai vu qu'elle avait l'ongle vachement long. Voilà. Ça de bois. Hein. Chaud. Ça y est, ça y est. Sûrement, hein. Ça va être un truc. C'est vrai qu'en France, il est quand même plus grand. Ouais, ça passe pas. Faut que tu m'en dises, c'est que c'est pouvoir. Le village.
village de Sidi Chamarouche est un lieu de pèlerinage emblématique niché dans les montagnes du Haut Atlas, à environ 2300 mètres d'altitude, sur le chemin de l'ascension du Toulka. Connu pour son sanctuaire dédié à Sidi Chamarouche, un saint local, il attire les pèlerins marocains en quête de bénédiction ou de guérison. Le village est marqué par un gros rocher peint en blanc, symbole du sanctuaire, et est entouré de petites échoppes et de maisons traditionnelles en pierre. Ah, beau, hein. Alors marabout, c'est la pierre blanche. C'est le marabout, c'est derrière. Hein. Il y a un trou derrière. Et la pierre blanche, c'est... C'est avec la peinture blanche. Hein. D'accord. C'est pas la pierre, c'est avec la peinture. Ah. Moderne, on va trouver la solution, alors on trouve des autres, on cherche des autres solutions pour guérir, pour se soigner. Parmi les autres solutions, c'est chercher la baraka du marabout qui se trouve au Maroc aussi, pour savoir. Donc, lorsqu'on perd la confiance envers la médecine moderne, parce que parfois tu cherches, tu ailles dans le docteur, parfois le docteur te dit tu peux pas guérir, hein? Parfois ça arrive. Oui. Ou bien tu fais du médicament et ça marche pas. Alors tu cherches des autres solutions. Voilà, pour savoir. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, Daniel, c'est bon. Ils la récupèrent où après? Ils la récupèrent pas. Comme elle est. Elle s'est trompée de chemin. Ah, il casse le sucre. Avant de partir, on va faire une photo avec lui. Attends, attends, attends.
prochaine. Mais attends, il en manque un. Le village d'Aremd est le plus grand et l'un des plus pittoresques villages berbères de la vallée d'Imlil, situé à environ 1900 mètres d'altitude dans le Haut Atlas marocain. Construit à flanc de montagne avec ses maisons en pierre et en pisé. Donc il y a deux robinets, ouais. Il y a un robinet chaud, il y a un robinet froid. D'accord. Il y a des seaux pour mélanger aussi. Ouais. Ah ok. Et après il y a des petits seaux pour renverser sur Romain. Lucie, plus non plus. Qu'est-ce qu'il a mangé? Tu prends tes cachetons avec l'eau du robinet. Mais non. Non. J'ai une gourde filtrante. Tu prends de l'eau du robinet. Ça souille. Tu mets le bouchon de la gourde et un filtre qui est intégré. Et c'est censé filtrer l'eau. Mais ça marche, moi j'ai la même. Donc j'ai mis ça dans mes gourdes. Et puis j'ai pas foutu de micro pur. Et j'ai toujours bu dans ces trucs-là, en rechargeant, tu vois. Donc je suppose que c'est ça. Mais j'en sais rien. C'est pour rouler à passer la nuit. Tu m'avais dit que tu allais mettre comme toi aussi, tu avais rien. Et toi, tu es costaud. Toi aussi, t'as une autre fille. Moi, je n'avais rien. Ah non, c'est Hugues. Il est peut-être une. Mais regarde comment il est là. C'est Hugues. Et ça marche pas trop bien quand même. Non, mais il te dit qu'il doit avoir 99,9. 0,1. Même pas 0,1, il reste pour ça. Même pas 0,1. Tu fais partie de ça, quoi. Alors. Attends, attention. Il y a des gens qui te. Je vous.
J'ai promis, c'est 10h30 à 2h de marche. Un grand, grand merci. Merci beaucoup. Quel plaisir que tu l'as. Mais il me dit merci. Ouais, j'ai pas encore touché. Mais tu sais pas ce qu'il y a dedans, hein. Non. C'est pas des dettes, hein. Tu dirais merci après. Ouais. Et tous les blagueurs qu'il y a, moi je recule en tant que gars. Il m'était plus dans. Genre. Deux fois. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait trop. Faut aller laver les mains. Merci à toi. Ouais. Alors c'est bon. J'ai bien. Merci beaucoup. C'est rien, c'est pas nous. Merci, ça aide. C'est très bien. Merci. Merci à toi. Aïtsouka est un petit village berbère situé dans la vallée d'Inil, au pied du massif du Toulkal dans le Haut Atlas marocain. Le village est connu pour ses maisons en pisé traditionnel, des jardins en terrasse et des vergers de noyers. Aïtsouka reflète le mode de vie simple et authentique des communautés berbères, avec une économie principalement basée sur l'agriculture et le tourisme de montagne. Desert winds begin to blow. Suns that rise and moons that fall. Stories written on the walls. Atlas pathways. In the atlas we can find. Drums that beat his heart tonight. Strings that tell of day and night. Every note and every made in the atlas shadows fade. Sand and snow in harmony. Now he's deep and wild and free. Alors rapprochez vos bras pour que je vous explique comment il est là. Oui. Alors soyez les bienvenus dans notre coopérative. C'est une coopérative féminine d'extraction d'huile d'argan. On fabrique l'huile d'argan d'une manière traditionnelle à la main et que les femmes travaillent aussi. Alors premièrement, je vais vous donner une idée concernant le fruit. Alors ça c'est votre première visite coopérative. Oui. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, le fruit de l'arganier, ça commence vert sur l'arbre, comme vous voyez. Oui. Après, ça devient jaune, ça tombe toute seule sur la terre. On le laisse un mois pour sécher. Et après, on fait la récolte. La récolte, c'est le mois juin, juillet et août. Et pour l'arbre, c'est un arbre sauvage, puni. Ça existe qu'au Maroc. Exactement, à la région d'Essaouira, Agadir et Taroudan. D'accord. Et ça, c'est le fruit, c'est comme tout travail. C'est comme ça. Comme des dates. Okay. Alors pour fabriquer le l'huile, il faut passer par quelques étapes. La première étape, c'est le dupulpage. La femme dupulpe le fruit pour avoir les noyaux. C'est comme ça. D'accord. D'accord. Les pulpes, ça se mange pour les animaux. Okay. Et pour les noyaux, ça se garde pour la deuxième étape, le concassage. Alors si vous voulez prendre des photos ou des vidéos, il n'y a pas de souci, c'est autorisé. Alors on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le concassage. Les femmes cassent les noyaux pour avoir les petits amandes. Alors, c'est comme ça. Pardon les amandes.
Alors, la première fois pour lever la première coque, pour les coquilles, ça se garde pour allumer le feu. Au hammam ou bien s'il fait chaud à la maison, le chauffage, il y a des gens qui prennent les déchets comme ça pour quelques décorations traditionnelles. Et pour. Alors, on met les amandes dans le moulin traditionnel et après on écrase doucement entre deux pierres. Plus vite, ça coule pas là. Non, ça prend beaucoup de temps pour que ça coule. Tu fais bien c'est un peu difficile. C'est pour cela que les femmes changent de place. Alors, ils ont, c'est le temps pour reposer. Alors, comme vous voyez, le travail manuel. Ma copine dit si tu parles de la religion, viens qu'on parle de toi, on travaille avec une danse. C'est pour ça que t'es pas servi Rémi aussi avec tes petits. Ouais, le soleil, il a pas de peau. Il n'entend pas. Non, t'es sûr qu'il n'y a pas entendu. Oui, je pense aussi, ouais. Ouais. Ah, ils ont pris derrière le. Je pensais qu'il allait passer au dessus. Ah, bah c'est le soleil. Ah non, c'est le soleil. Merci. La mosquée Koutoubia est l'une des plus grandes et célèbres mosquées du Maroc. Construite au XIIe siècle sous le règne de la dynastie des Almohades, elle est reconnue pour son minaret emblématique de 77 mètres, un modèle d'architecture islamique. Son nom vient des vendeurs de manuscrits, Koutoubiyines, qui s'installaient autour de la mosquée. Sous le ciel bleu de Marrakech, les palmiers dansent en fête, les souks bruissent de mille voix, ville éternelle qui scintille. Les épices parfument l'air, les tapis racontent des histoires, les murailles cachent des secrets, Marrakech, mon cœur s'enflamme. Au Marrakech, ville en or, des ruelles pleines de vie, sous le soleil et les étoiles, tu es mon rêve, mon abri. Les jardins sont des oasis, les riades comme des palais, les lanternes illuminent la nuit, magie qui jamais ne s'efface. Les dunes dansent à l'horizon, l'Atlas veille en silence, le désert murmure ton nom, Marrakech, tu m'enchantes. Oh Marrakech, ville en or, des ruelles pleines de vie, sous le soleil
Après, on rentre à pied. Mais... Puis on peut manger. Attends, mais attends, il faut attendre les autres. Il faut attendre les autres bureaux, là. C'est le même. Ils appellent la pierre. Ah, c'est le dernier. Ouais. Et tout le monde a vite, 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 on y va. Vite, on y va. Qu'est-ce qu'on fait alors?